word of God. Notre Dieu c'est un médecin par excellence. Our God is the heavenly doctor. Aujourd'hui, quand tu viens à l'église, when you come to church today, Dieu se symbolise dans toute la divinité comme mon Dieu. God is symbolized as the Mais deity. Dieu m'a fait entrer aujourd'hui. God made me come in today, que moi et toi, that me and you, il veut nous amener dans les domaines aujourd'hui de la guérison. He wants to bring you into healing today. Il prend l'église comme un hôpital. He takes the church like a hospital. Que ceux qui viennent avec des problèmes, those who come with problems, quand ils viennent dans l'hôpital, when they come in the hospital, il fait des rendez-vous, they make a rendez-vous en ordre. In order. Mais il y a aussi des cas urgents but there are urgent cases qu'on peut choisir you can choose de les amener dans les soins urgents. To bring them to intensive care. Quand nous venons à l'église, when you come to church, on a des cas we have some cases qui nous amènent dans la présence de Dieu. That bring us in the presence of tu peux God. Me dire que tu es venu ici parce que tu es sauvé. Maybe you came because you were saved. Mais la plupart des gens, most people, Dieu les a pris God took them parce qu'ils avaient un problème. Because they had a problem. Amen. Amen. Moi-même, comme je parle là, myself, as I speak, quand je suis venu au Seigneur, when I came to the Lord, ma diagnostic, my diagnostic, mon problème my problem, était parce que je voulais me marier d'abord. Because I wanted to get married first. Amen. Amen. C'était ça qui m'a amené à l'église. That is what brought me to the church. C'était ça que j'ai mis mes oreilles. That is where I put my ears. Pour que j'écoute vraiment Dieu. For me to really listen to God. Pourquoi mon mariage n'arrive pas? Why am I not getting married? Qu'est-ce qui est le problème dans ma vie? What is the problem in my life? Je trouve les hommes. I find men. Mais pourquoi ils ne me marient pas? Why don't they marry me? Qu'est-ce qui est le problème? What is the problem? Je suis venu dans la présence de Dieu. I came in the presence of God. Pas moi, je t'ai dit. Not me, I tell you. Je suis venu I came dans la maison de Dieu in the house of God. Comme un hôpital. It looked in hospital. Quand je suis entré à l'église, when I entered the church, qui était l'hôpital pour moi, it was a hospital for me. Et l'homme de Dieu a prêché. The man of God preached. Ça était un diagnostic. It was a diagnostic. Toi qui cherches à te marier, you who wants to get married. Toi qui cherches à te marier, you who wants to get married. Dieu te dit d'abord, God is telling you tu first, vas te repentir. You have to repent. Quand tu vas te repentir, when you repent, tu vas obéir la parole de you Dieu. You will obey the word of God. Et tu vas aimer d'abord le Seigneur. You will love the Lord. Quand tu vas aimer le Seigneur. Love the Lord. Dieu va te donner God will give you des instructions, instructions comment prendre ton dose. How to take your et quand tu vas prendre cette dose, when you take the dosage, tu vas obéir à la parole de you Dieu. Will obey the word of God. Tu ne vas pas faire la moitié. You won't do half. Tu ne vas pas choisir l'autre. You won't choose the other et half. Que l'autre que tu vas prendre. The other half you won't. Tu vas mettre que tout en pratique. You're going to take it all chaque into practice. Jour que tu viens à l'église, every day you come to church, pour moi c'était un hôpital. For me it was a hospital. Je voulais être guéri. I wanted to be healed. Acclame Dieu. Praise God. Acclame Dieu. Praise God. Je venais à l'église. I came to church. Qu'est-ce qui m'a amené à l'église? What brought me to church? Pour moi, for me, je suis venu à Dieu. I came to God. Je l'ai pris le temps là. I took that time. Comme mon docteur. As a doctor. Maintenant, le docteur m'a donné des instructions. Now the doctor gave me instructions. Même nous dans la société. Us in society. Allez, avant d'aller voir le médecin. Before you go to the doctor. Pour chercher la consultation. To look for a consultation. Tu as besoin d'un rendez-vous. You need to have a rendezvous. Tu vas appeler l'infirmière. You will call the nurse. Ou le secrétaire. Or the secretary. Ils vont te faire un rendez-vous. And they will give you a meeting. Ils vont te dire. They will tell you. Ne manque pas dans ces rendez-vous. Don't miss the appointment. Si tu manques, if you miss it, appelle-nous, call us, pour que tu nous dis, and tell si us, tu ne seras pas là. If you won't be there, il faut que tu obéis. You have to obey. Alléluia, les enfants Alleluia, de Dieu. Children of God. Saisis-moi aujourd'hui. Seize me today. Dieu veut t'amener. God wants to bring tu vas you. Me dire que longtemps que j'ai prié, for long ago, longtemps prayed. Que j'ai porté les églises, you went to church mais for long tu avais vu l'église comme hôpital, but did you check the mais aujourd'hui, il vient comme un médecin pour toi. But today, you are a doctor il for veut you. Te guérir. He wants to heal il veut te consulter. Et la consultation, il va te donner la prescription. He will give you a prescription. Les médicaments qu'il faut pour toi. The medication et les doses qu'il va te donner. And the dose he will give ça you. Ça sera pas surchargé. It won't be an overdose. Ça sera pas une dose. It won't be an overdose. Il va t'amener les somnolences. That will bring you somnolence. Ça sera pas une dose. It won't be a dose. Il va te fatiguer. That will make mais you tired. Une dose. But a dose. Il va te donner la dimension. That will bring you to the dimension. D'aller là où Dieu veut te guérir. To go where God wants to heal you. Praise the Lord. Acclame le Seigneur. Praise the Lord. Il a besoin de dimension. You need a dimension. Il a besoin de dimension. You need a dimension. Parce que tu veux être guéri. Because you want to be healed. Mais ta situation. Depuis que tu fais les tours des églises, maybe you go to churches. Depuis que tu fais les tours aux hommes de Dieu, you go to every man ou aux femmes de Dieu, or the women tu n'as jamais compris ta prescription. You never understood your prescription. C'est comme ça que tu tournes en rond. That's why you turn around. C'est comme ça que tu tournes en rond. That's why you go in circles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Something's wrong mais with quand you. Tu vas à un médecin, when you see a doctor, quand il te donne la prescription, when he gives you a prescription, il te donne les doses, he gives you a dosage, de les respecter. You respect it. Et quand il va te donner ces doses, when he gives you the dosage, bien-aimé dans le Seigneur, love it in the Lord, les doses de l'homme, the dose of men, ce n'est pas exact. It is not exact. Moi, quand j'étais entré, when I went à l'église, to the church, j'ai dit, Seigneur, I said, Lord, je viens aujourd'hui, I come today, guéris-moi. Heal me. Seigneur, Lord, guéris-moi. Heal me. Seigneur, Lord, guéris-moi. Heal me. Avec une détermination. With a determination. La souffrance était trop. The suffering was too much. Minimiser. Minimize. Mépriser. Discourage. J'ai dit non. I said no. Ça c'est pas la dose pour moi. That is not the dose c'est for me. C'est toi qui m'as créé. You created me. Tu
Tu me donneras une dose exacte. You will give me the exact dosage. Pour sortir to come out de ma situation. Of my situation. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Je n'ai pas résisté. I didn't resist. J'ai pas laissé les pierres dans mon cœur. I did not leave a stone in my heart. Je me suis laissé. I let myself. Je me suis devenu moule comme on dit. I became soft. Je me suis laissé. I let myself. J'ai dit la parole entre. Let the word enter. La parole tu vas entrer. The word will enter. Je n'ai pas une autre solution. I don't have another solution. Je n'ai pas une autre solution. I don't have another solution. Le monde s'est moqué de moi. The world would laugh with me. Même dans le monde là. Even in the world there. Ma famille dedans. My family already. Parce que quand je le disais. Because when I told que je vais me marier. That I wanted to get married. Il y avait qui se moquait de moi. Those making fun of me. En face de moi même. In my face. Alléluia. Alléluia. Ils croyaient pas. They didn't believe. Ils croyaient pas. I didn't believe. Ils voyaient comme je faisais du théâtre. They thought I was doing a theater. Il y a même ceux qui me disaient. Even those who told me. On peut aller chercher un psychologue. Let's go for a psychologist. Je pense qu'il y a quelque chose dans sa tête. There's something in her head. Qui ne va pas bien. That's wrong there. Hallelujah. Hallelujah. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Moi j'ai un grand psychologue. I have a great psychologist. C'est la parole de Dieu. It is the word of God. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Quand j'ai reçu la parole, when I received the word, même ils se moquaient de moi, even those making fun of me, mon attitude, my attitude était positive. Was positive. Quand ils me regardaient, when they looked at me, quand ils se moquaient de moi, when they made fun of me, moi je souriais. I was smiling. J'étais pas rageux. I wasn't mad. Je n'étais pas dans la rage. I wasn't angry. Pourquoi tu m'as dit ça? Why do you tell me this? Ça ne faisait rien. It didn't bother me. Parce que j'avais eu un diagnostic. Because I had a diagnosis. Il fallait que je respecte ma dose. I had to respect my dosage. Il fallait que je sois posé. I had to be tranquil. Pour que j'écoute bien la parole. To listen well to the word. Que je suis à l'église. That I'm being taught at the church. Pour moi, c'était l'hôpital. For me, it was a hospital. Quand je venais à l'église, when I came to the church, depuis ma maison, since my house, je priais, I would pray, Seigneur, amène-moi. Lord, bring me. Chaque étape, every step by step. Je vais y arriver. I want to get there. Mais ce n'est pas fini de bien-aimé. I didn't finish there. Tout autour de moi, all around me, j'avais aussi des amis. I had friends. Ils venaient me dire. They came to tell me. Là, moi, j'ai eu la détermination. Where I was determined. J'ai trouvé mon église. I found my church. J'ai trouvé l'homme de Dieu. I found the man of God. Que Dieu avait présenté pour moi. God put in me. Comme un médecin. Like the doctor. Je l'ai déjà trouvé. I already found him. Quand il parlait, when he speaks, non, je me sentais guérir. I felt healed. Même les choses cachées, even the hidden things, ça sortait. It would come out. Je me révolutionnais pas. I wasn't angry. Je me posais pas à l'homme de Dieu. I didn't oppose the man of God. Je m'agenouillais. I bowed down. Pardonne-moi, Seigneur. Forgive me, Lord. Si je fais ça, if I did that, aide-moi, Seigneur. Help me, Lord. Dans mes faiblesses, in my weakness, je vais sortir. I want to come out. Alléluia. Alléluia. Mais j'avais les amis à côté. But I had friends next to me. Moi, j'ai eu ma détermination. I was determined pour être guéri. To be healed. Mais il y avait des embrières. But there were people around qui me étaient mes amis. That were trying to fog me up. Ils me disaient, ah! They said, oh! Patience, viens, on va aller dans l'autre église. Patience, let's go to the other church. Il y a un prophète là-bas. There's a prophet there. Quand il parle dans ta vie, when he speaks in your life, tu vas écouter toutes les choses de ta vie. You will listen all your life. Maintenant, je lui ai posé la question. I would ask them the question. Quand il va me diagnostiquer. When he will give me a diagnostic. Après le diagnostic, qu'est-ce que je vais faire? After the diagnostic, what am I going to do? Amen. Amen. Après la diagnostic, after the diagnostic, quand un médecin te consulte, when a doctor gives you consultation, il reste seulement dans la diagnostic, do you just stay in the diagnostic? Il avance jusque où? You go to where? Bien aimé, est-ce que vous êtes là? Are you there? Prescription. Amen. Il t'amène. He brings you. Quand on te diagnostique, when they give you a diagnostic, il t'amène. They bring you. Pour te prescrire le médicament. To give you a prescription now. Est-ce que ça finit là? Does it finish there? No. Moi, je veux que la salle, si vraiment, I want the room. If you want to come out today, you want to get a miracle. Do you want to get a miracle today? Amen. Après avoir, on te prescrit le médicament. After they give you a prescription, tu vas chez toi. You go home. Qu'est-ce que le médecin va faire encore? What is the doctor going to do next? Amen. Amen. Praise God. Suivi, hallelujah. You need to be followed. Suivi, acclame. You need to be followed, hallelujah. Hallelujah. Suivi. You need to be followed. Il va te faire suivi. He will follow you up. Pour regarder le médicament qu'il t'a donné. To see if the pills they gave you. Est-ce que ça marche ou pas? Did it work or not? Amen. Amen. C'est la même chose quand on vient dans l'église de Dieu. Same thing when you go to the church of God. Tu viens, tu écoutes la parole de Dieu. You come, you listen to the word of God. Si tu as un homme de Dieu, ne refuse pas les hommes de Dieu de te contacter. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Refuse pas. Don't refuse. Tu peux être une barrière de toi-même de ta vie. You can have your own barrier. Parce que tu refoules la diagnostic. Because you push away the diagnostic. Tu refoules le suivi. You push away the follow-up. Praise God. Praise God. Aujourd'hui, today, tu vas sortir. You're going to come out.
aujourd'hui, qui va sortir? You're gonna come out. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'hôpital. Because today it's the hospital. Les anges de la guérison sont là. The angels of healing are here. Guérir. They want to heal you. Ils viennent pour guérir. They come to heal. Je les crois. I believe it. Si tu les crois, if you believe it, they're going to be healing you today. Alléluia. Dieu est puissant. God is powerful. Il y a un suivi. There's a follow-up. Tu vas trouver un médecin. You're going to find a doctor. Si tu trouves un médecin qui te fait pas un suivi, if you find a doctor that doesn't follow up on you, he's not a real normal doctor. Il pratique pas son travail comme il faut. He doesn't practice his work like he should. Mais si tu trouves un médecin qui connaît son travail professionnel, but if the doctor's a professional, il sait comment suivre ses patients. He will do a follow up on you. Nous aussi étant qu'église, we too as a church, les médecins qui sont des sacrificateurs, the doctors that are the high priests, les hommes de Dieu que Dieu a mandaté, the men of God that God called here, pour le travail de s'occuper des âmes, for the work of taking care of the souls, c'est le même travail que les médecins vont s'occuper avec les patients, the same work as a doctor with a patient. Ils vont aller même au-delà, they're going to go even beyond. Mais les médecins du monde, but the doctors in the world, ils vont te donner un médicament, they will give you a pill, après peut-être, maybe, mais ils vont pas, but they won't, te diagnostiquer, give you a diagnostic, ce qui te dérange au profond de ton cœur, what is deep down in your heart. Ils vont pas aller jusqu'au profond de ton cœur. They won't go deep down in your heart. Beloved in the Lord. Il y a ceux parce qu'ils veulent pas aller travailler, ils peuvent aller dire à un médecin. Those because they don't want to go to work. J'ai mal au dos ici. I have a back pain ici. Here. Ici. Here. J'ai mal au dos. I have a back parce pain here. Parce qu'ils cherchent un document pour des éléments. Acclame-les. Okay, person, they won't go to work. Yes. J'ai mal au dos. I have a back pain. Docteur, écris-moi. Doctor, give me a... Je vais mon travail. I moved at work and... En tout cas, je veux pas aller. I can't go to work no more. Mais tu peux écrire le papier? Can you write me a little excuse? Pour aller montrer au travail. So that I can show my work? Le médecin va t'écrire. The doctor will write it up for you. Parce qu'il connaît pas. Because he doesn't even know. Que le patient a fait de le travail. That the patient is lying. Mais l'homme de Dieu. But the man of God. Qui connaît le Seigneur. That knows the Lord. Que Dieu a mandaté. That God called. Si tu viens devant. If you come in front. Tu es un homme du Seigneur. You're a soul of the Lord. Si tu dis le mensonge. If you lie. Dieu va te détecter. God will detect it. La parole de Dieu. Praise the word of God. Hallelujah. La parole de Dieu. You take the word of God. Leviticus 13. 1 to 11. Je vais demander à la femme de Dieu bouger s'il vous plaît. Lévitique 13, verset 1 à 11, je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. » Il l'amènera où? He would bring him where? Sacrificateur. Sacrificateur, c'est l'homme de Dieu ou femme de Dieu. The priest is a man of God or woman of God. Ouvrez la bouche, c'est le miracle. Open your mouth, that is the miracle. Il l'amènera où? He will bring him where? Continue, femme de Dieu. Moi, je veux que tu commences à capter dès le début. I want you to capt it from the start. Parce que tu veux toucher le miracle. Because you're going to touch a miracle today. Aujourd'hui, ta vie va être transformée. Today, your life will be transformed. On va aller. Alléluia. Verset 3. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Alléluia. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Amen. Amen. Il est bien aimé dans le Seigneur. Believe in the Lord. Je t'ai donné que l'église, the church, c'est l'hôpital, is the hospital. Dieu a choisi les sacrificateurs, God chose the priests, comme des médecins, like doctors, comme des hommes qui peuvent diagnostiquer les problèmes, like men can diagnose a problem. On a vu que c'était eux qui faisaient les quoi? Examiner. We said what? They were examining. Nous, on nous examine comment? We examine us how? Quand on va aller voir les médecins, when you go to see a doctor, et que les médecins, toi, on va dialoguer avec les médecins, and you talk with the doctor, le médecin va te dire toi-même parle ton problème. The doctor says speak of your problem. Tu commences à parler ton problème. You start to speak of your problem. Mais avec les sacrificateurs, but with the priests, ce n'est pas toi qui vas parler ton problème, you won't speak of your problem, mais c'est les sacrificateurs, but the priest, qui va examiner sur ta peau, will examine on your skin, si toi tu as un problème, if you have a problem, pure or not. Dieu, God, il donne ce pouvoir, he gives the power, au sacrificateur, to the priest, qui est les hommes de Dieu, that is the men of God, pour diriger l'église de Dieu, to direct the church of God, c'est comme un hôpital, like a hospital.
pour examiner to examine si l'âme est guérie ou pas. If your soul is healed or not. Parce que tu peux aller te présenter devant un homme de Dieu you present yourself qui craint le Seigneur. That fears the Lord. Quand tu te présentes devant, when you come up avant front, même que tu ouvres ta bouche, before you open your tu mouth, commences déjà à sentir ta diagnostic. Dis diagnostic. You can already feel your diagnostic. Say diagnostic. Tu viens, tu écoutes la parole de Dieu, dis la diagnostic. You hear the word of God, it's the diagnostic. Il y a ceux qui sont à l'église, combien de gens que moi j'ai un problème depuis que l'église a commencé. Moi, pensant c'est toi qui as dit à l'autre. L'autre, c'est toi qui l'as dit. Moi, pensant c'est toi qui l'avais appelé l'autre. Amen. I have a problem since the church began because depuis l'église a commencé, j'ai des problèmes. I have a problem here. Les gens m'accusent. People accuse me. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Si Dieu t'a choisi if God chose comme you, sacrificateur, like a priest, il t'a donné he gave le you pouvoir d'examiner, the power to examine, et de déclarer and to declare dans la vie des âmes. The life of the soul. Ça vient de Dieu. It comes from God. Parce qu'il est notre lumière. Because he's our light. Alléluia. Parce que c'est lui qui est en nous. Because he's in us. Ce n'est pas nous-mêmes qui travaillons. It is not ourselves on working. Travaille avec Dieu. We work with God. C'est lui qui nous a choisi. He chose us. Quand tu attends ta diagnostic, when you hear your diagnostic, ne pas accuser quelqu'un dans l'église. Don't accuse somebody in the ne church. Ne cherche pas accuser don't maman pasteur ou pasteur. Accuse mother pasteur or the pastor. Si c'est un problème, if it's a problem, que tu es diagnostiqué, that you have a diagnostic, que tu as écouté la parole, you heard the word, bien aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, mets-toi par genoux par terre, just bow down, plaire à Dieu, and weep to de God, ôter ça, to remove et that, tu seras guéri, and you will be healed. Yes. Et il nous dit, and he tells us, les sacrificateurs examinaient la plaie sur la peau du corps. Tu sais que là, Dieu devient, les sacrificateurs deviennent comme des dermatologues. Dis dermatologue. The priest becomes a dermatologist. Tu vois que c'est un hôpital, hein? It's like a hospital. Praise God. Praise God. Hey. Là, les sacrificateurs deviennent dermatologues. The priest becomes a dermatologist. Pour examiner la peau. To examine the skin. Ça vient d'où, les plaies? Where does that weeping come from? Il dit, les plaies, là, vient d'où? Where does that spot come from? Les sacrificateurs vont voir. The high priest will look que les plaies paraissent plus profondes que la peau. That the sore is deeper than the skin. C'est un plaie de lèpre. It is a sore from leprosy. Les sacrificateurs aura fait examiner, déclarer cet homme est impur. The priest will say the man is not pure. Les dermatologues. The dermatologist. Il peut pas te prescrire un médicament. He can't prescribe a pill. Sans que tu vas à la laboratoire. Without you to go to lab. Et que tu donnes ton sang. And you give your blood. Praise God. Le problème qui est diagnostiqué sur ta peau. The diagnostic on your skin. Ça vient profond de ton sang. It comes in your blood. Ça vient à l'intérieur de ton âme. It comes in front of your soul. C'est là qu'on te nomme que tu as la lèpre. That is how they call you a leper. C'est là qu'on te nomme que tu as le péché. That is where they call you have a sin. Parce que ta vie est impure. Because your life is unclean. Les dermatologues vont examiner à travers quoi? The dermatologist will examine aide-moi. Through what? Help me. Alleluia. Alleluia. Aide-moi, help me. With your blood. You will receive it in the name of Jesus. Alleluia. Alleluia. C'est fort, hein? It is powerful. C'est fort, hein? It is powerful. Merci, mon fils, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Pour ta sincérité. Dieu aime comme ça. God likes sincerity, mais c'est profond. But it is deep. Amen. Comprends ça. Understand this. Quand moi j'ai compris, when I understood, j'ai souri. I smiled. When I understood, I smiled. Je m'embarque pas à n'importe qui. I don't just go with everybody. On a vu l'homme de Dieu qui a dit, regarde pas l'environnement. We saw the man of God say, don't look at your surroundings. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont venu ici avec les diagnostics eux-mêmes. I saw men of God coming here with a diagnostic. Hommes de Dieu, il y a des gens qui sont venus diagnostiquer eux-mêmes. Je suis un grand homme de Dieu. Men of God, people came here and said, I'm a great man of God. Je vais examiner les âmes. I'm going to examine souls. Mais on a examiné lui-même qu'il est impur. We examined Ben and he was unclean. Praise God. Mais je veux que toi tu restes avec ce que tu as dit aujourd'hui. I want you to stay with what you said today. Parce qu'on a vu beaucoup ils se diagnostiquaient eux-mêmes. We see a lot of people diagnosing ils themselves. Ils se déclaraient les grands hommes de Dieu. They would declare they were great men of God. Je suis en Afrique là-bas. I come from Africa there. Et celui-là. And here. Il commence à faire que cette église va changer. This church will change. Ils marient même des femmes. They would marry women. On les diagnostique impurs à la fin. They would diagnostic unclean at the end. Après eux-mêmes qu'ils ont les lèpres. After themselves had the leprosy. Il dit je vais vous en sortir dans les lèpres. He says I want to make you come out of leprosy. Mais les patients commencent à regarder c'est les lèpres et c'est la peau de Dieu. But the patient sees the leprosy on the skin of the doctor. Praise God. Praise God. Praise God. Come out now in the name of Jesus. Sors dans les flous. Come out of the fogginess in your head. Et viens, moi je suis un homme de Dieu. He says, I'm a man of God. Je suis un sacrificateur. I'm a priest. Qui craint le Seigneur. That fears the Lord. Je vais vous examiner.
examiner. I will examine you. Il commence à examiner. He starts to examine. Il n'y a pas la lumière dans ses yeux. There's no light in his eyes. Il commence à déclarer. He starts to declare. L'impurité. Unclean. Il commence à dire moi quand je te dis les choses. Me when I say things. C'est exact. It is exact. Mais la vie de cet homme. But the life of that man. Les âmes commencent à les diagnostiquer. The souls are diagnosticating him. Il commence à dire non, 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 non. They say no, no, no. Toi tu n'étais pas un homme de Dieu. You weren't a man of God. Si tu étais un homme de If you were a man of God. Qu'est-ce qui t'a fait reculer? Why did you back down? Si c'était Dieu que tu servais là-bas. If the God that you served there. Ici, qu'est-ce qui t'a eu? Here, what happened to you here? Donc les gens ici t'ont pris? People here took you? Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Je suis un frère et sœur que je connaissais le Seigneur. There was a brother and sister that knew the Lord. J'ai fait tellement les églises. I went to so many churches. J'ai reçu des diagnostics et diagnostics. I got diagnostic and diagnostic. Je viens dans l'église de Dieu. I come in the church of God. Tu deviens rebelle. You become rebellious. Tu portes le masque de la révolte. You wear the mask of rebellion. Même si un sacrificateur dans l'église peut dire des choses exactes. If a priest says something exact. Quand toi tu as l'esprit de révolte. Because you're a rebel. L'orgueil commence à dire c'est pas vrai. Pride starts to say it's not true. Faut pas l'écouter. Don't listen to him. C'est moi. Me, I say the truth. Mais ici, la parole de Dieu dit, but here the word of God says, ce sont les sacrificateurs. It is the priest que Dieu a choisi comme Aaron et Moïse. God chose like Aaron and Moses. Pour examiner to examine et déclarer les patients qui sont des enfants. And declare on the patient that is la vérité. God is the truth. Aujourd'hui, tu vas sortir d'un endroit que tu étais dans le flou. Today you come out of that place tu vas where you were confused. L'importance de l'église, hein? Understand the importance of the parce church. Parce que quand les gens viennent à l'église, because when people come to church, on les diagnostique, ils ont des plaies. We give them a diagnosis. Ils ont des péchés. They have a problem. Ouvre-moi la porte, mon frère. Open the là, il va écouter la parole. They will listen to the word. Dimanche prochain. Next Sunday. Ah, moi, je ne vais pas dans votre église là. I don't come in your church. No, 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 no. Parce que. Because. La personne a reçu la diagnostic. The person received a diagnosis. Dans son sang. In their blood. Ça a parti jusqu'à son it âme. It went into his soul. Il voulait être détruit. He would have been destroyed. Mais Dieu le retire maintenant. But God takes him out now. Pour que tu reçois la prescription. For you to receive the prescription. Il y a la révolte. There's rebellion. Là, il va sortir, il va aller à l'autre église. He's going to leave and go to the church. Il va à l'autre église. He's going to go to the other church. Il trouve d'autres sacrificateurs. Another priest is there. Moi, je sers le Seigneur. Moi, je me prépare parce que donne-moi tout ce que tu fais. Me, I serve the Lord. Give me whatever you want to be. Si tu veux, donne-moi, je vais le faire vraiment humblement. Give me a job to do. I will do it humbly. Quelques mois après. A couple of months later. Il devient révolte. He's rebelling again. Qu'est-ce que le pasteur se regarde ici? Oh, look at me here. Qu'est-ce que le pasteur veut nous dire? What does pastor want to tell me? Pourquoi seulement le pasteur qui va dire ça? What's just the pastor doing? Est-ce que quand ils ont dit dans la parole de Dieu, ils ont dit que les âmes vont dire? But the word of God say the souls would say. Ils vont dire quoi? They will say what? Sacrificateur qui va examiner les âmes. Amen. Alléluia. The priest will examine the souls. Les sacrificateurs qui vont examiner les âmes. The priest will examine the souls. Et maintenant, ça c'est le problème qui passe dans ce siècle, 20e siècle. That is the problem now in the 20th century. Les églises, les gens ne veulent pas grandir. People don't want to grow up. Les gens ne veulent pas sortir dans leur plaie. They don't want to come out of their souls. That is a leprosy. Ils commencent à faire des déplacements inutiles. They move around for nothing. Moi, je dis à mes amis. I say to my friends. Je dis s'il vous plaît. Please. Moi, je suis entré dans cette église. I entered this church. J'ai écouté ma vie. I listened to my life. Sacrificateur, l'homme de Dieu a parlé de la parole de Dieu. The man of God spoke of the word of God. Je me suis retrouvé dedans. I found myself in here. Quel prophète que toi tu veux m'amener encore? What prophet do you want to bring mais me to? Mais la parole de Dieu, c'est pas les prophéties par excellence. But the word of God is the prophecy by excellence. Si Dieu me parle déjà dans sa parole, qu'est-ce que toi tu veux m'ajouter? God has already told me the word. What do you want to add to it? Praise God. Si Dieu te parle dans sa parole. Today miracles are in special domain. Every person has to understand the diagnosis. You enter and you receive the miracle. Le problème. The problem. Les plaies. The sore. Les églises. The churches. Aujourd'hui les gens veulent remplir pour qu'on prêche de la bénédiction. Today they are filled with people preaching blessings. If I preach blessing, people will jump. Les gens sont dans la joie. People are in joy. Parce qu'on prêche la bénédiction. Because we preach blessings. Mais tu peux pas être béni de bien-aimé si qu'on te diagnostique pas. You can't be blessed if you don't have a diagnosis. Si tu vas pas un médecin dans ta maison. If you don't see a doctor in your house. Tu vas pas à l'hôpital pour qu'on te passe à laboratoire. If you don't go to the lab in the hospital. Pour qu'on sache quelle maladie que toi tu as. To know what disease you have. Comment tu seras guéri? How are you going to be healed?
Comment tu vas être guéri? How are you going to be healed? Tu as besoin de venir à l'église de Dieu. You need to come to the church of God. Et tu viens que Dieu te diagnostique. And God gives you a diagnosis. Si tu as les lèpres, toi tu restes dans la maison, qui va te diagnostiquer? If you're a leper and you stay home, who's going to give you a diagnosis? Parce que Dieu a donné au pouvoir au sacrificateur. God gave the power to the priest. On a bien dit que notre Dieu c'est un dermatologue aujourd'hui. God said that God is a dermatologist. Et qu'est-ce qu'il disait? And what did he say? S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profond que la peau et que les poils ne soient pas devenus blancs, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a le pleut. Vient de passer le jeûne de combien de jours? We just fasted for how many days? Est-ce que toi tu es sorti de la diagnostic? Did you come out of the diagnosis? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais faire des cris de joie. Alléluia. I want to hear the screams of joy. Alléluia. Alléluia. Amen. On vient de jeûner. We just fasted. Il dit le sacrificateur l'enfermera pendant 7 jours. The priest will put him away for 7 days. La plaie. The one who has the sore. Nous, on a fait notre jeûne de 7 heures. We fasted for 7 days. On était enfermés dans les jeûnes et prières. We were inside of the fasting and prayer. Maintenant qu'on est sorti dedans. And now that we came out. Est-ce que tu te sens maintenant que tu es pur? Do you feel yourself clean? Est-ce que tu te sens maintenant que tu es délivré? Do you feel yourself delivered? Est-ce que tu te sens maintenant que tu as la joie? Do you feel filled with joy? Et que tu te sens maintenant que la bénédiction vient dans ta vie? Do you feel the blessing in your life? Est-ce que tu te sens maintenant que tu es guéri? Do you feel yourself healed? Est-ce que tu te sens maintenant que ta situation est transformée? Do you feel your situation is transformed? Est-ce que tu te sens maintenant que tu es intelligent? Do you feel you're intelligent? Est-ce que tu te sens maintenant que tu as la sagesse? Do you feel you have wisdom? Est-ce que tu te sens maintenant que tu es obéissant? Do you feel you're obedient? Est-ce que tu te sens maintenant que tu sers Dieu à l'église à l'obéissance? Do you feel that you serve God at the church with obedience? Do you see your life transformed? Is your life in order? Do you feel everything is lined up with God? Are you walking in the newness of life? Praise God! Do you feel now that you're walking in the newness of life? Because since you were diagnosed, the diagnosis, enfermé pendant 7 jours. You were locked up for 7 days. Nous étions enfermés dans cette église. We were locked up in this church. Enfermé 7 jours. We were locked up for 7 days. Merci, pasteur. Thank you, pastor. Je le reçois. I receive it. Amen, pasteur. Amen, pastor. Hallelujah. On était enfermés 7 jours. We were locked up for 7 days. C'était un hôpital. It was a hospital. Et toi, tu avais constaté que on était dans l'hôpital? Did you notice we were in a hospital? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as constaté pendant 7 jours que nous étions dans l'hôpital? That we were in a hospital? Parce qu'on voulait nous diagnostiquer si on devient pire ou il y a encore la lèpre. They wanted to diagnose if we were clean. Ou dans la peau il devenait blanc. Or if we still had leprosy. Ou il y a des poils qui étaient drôles. Or there were hairs that were funny. Ou ta profondeur il y a encore des taches sur ta peau. If there's something wrong in your skin. Parce que la lèpre peut partir mais est-ce que les taches sont encore là? Leprosy can leave but is the spot still est-ce there? Est-ce que tu sens que les taches sont parties? Do you feel the spot leaving? Et que à l'intérieur de ton cœur. Inside of your heart. Blessure que toi tu avais. The thing that you have. Did it leave a spot or a hole? Because it was a sore. That diagnostic était dedans. The diagnosis God gave you. Tu viens à l'église. You come to church. Comportement. The behavior. Vie de péché. The life of sin. La façon d'être orgueilleux. The way you're proud. La façon d'aimer Dieu. The way you love God. Est-ce que nous sommes enfermés 7 jours que les sacrificateurs ont dit? When we were locked up for 7 days, est-ce the way that high priest. Est-ce que tu as constaté quelque chose dans ta vie? Did you notice something in your life? Dans ta vie chrétienne, il y a un changement. Is there a change in your Christian life? Ou tu parles seulement dans la bouche toi-même qui te diagnostique? Or you're just talking in your mouth. You give ce sont les médecins de la chair. The doctors of the flesh. Le pasteur qui diagnostique les problèmes. The patient is diagnosing the problem. Mais avec la parole de Dieu, but the word of God, avec les hommes que Dieu a mandatés, with the men that God called, les sacrificateurs qui vont diagnostiquer les problèmes des âmes. The priest will diagnose the problem of the soul. Et que Dieu est venu voir ton sacrificateur. Did you come to see your priest? Pour voir à toi s'il y a encore des taches. To see if there's still a spot on you. Ou tes poils sont devenus encore blancs. Or if your hair is still white. Ou il y a un problème encore. Or if there's still a problem. On va continuer la parole de Dieu. We're going to go in the word of God. Say you're going to come out in the name of Jesus. Alléluia. Il dit encore, verset 6, les sacrificateurs examinent une seconde fois le septième jour. Dit, sacrificateur examinera. Say the high priest will examine me the seventh day. Ça, c'est notre diagnostic. That is our diagnosis. On va continuer. Si la plaie est devenue pâle,
elle ne s'est pas étendue sur la peau. Mm. Ça, le sacrificateur va examiner une seconde fois pour te diagnostiquer encore. The priest will examine you a second time to examine you again. Si ta peau est devenue pâle. If your skin is paler. Alléluia. Alléluia. Si le péché donnait la chance de partir. If the sin is now looking like it's leaving. Praise God. Alléluia. Hey. Yes. Ta peau devient pâle. Your skin is lightening. Et l'orgueil en train de partir. Is the pride starting to go? La peau devient pâle. The skin becomes paler. Est-ce que le désordre est en train de partir? Is the sin now leaving? La peau devient pâle. The skin is paling. La révolte commence à partir. Is rebellion starting to leave? La peau devient pâle. Your skin is getting lighter. C'est fort, le bébé. This is powerful, beloved. Ah. Bravo, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que c'est que moi je crois à ce que Dieu m'a montré. Beloved in the Lord, I believe in what God showed me. J'ai dit ça au pasteur. I told it to the pastor. Je vis. Ils m'ont donné les médicaments. Pills. Je le sens même moi-même. I feel it myself. C'est pas pour toi, moi aussi je le sens. It's not for you. I also feel. Je l'ai vu la nuit. I saw it at night. On m'a donné les médicaments. They gave me some pills. Mais tu prends ces médicaments. They said take this pill. Ils m'ont mis dans mes oreilles. They put it in my ears. Oil. Ils m'ont mis. They put it. Me dit, viens de voir. They said, come to ils me. Ont commencé à me rappeler. They started to feel je me. Je me suis réveillé. And I woke up. J'ai dit, pasteur, c'est quoi ça? I said, pastor, what's that? Je sens moi-même. I feel myself. Je le sens. I feel it. Et Dieu a donné ce Lévitique 13. God gave me Leviticus 13. Peux-tu acclamer Dieu? Can you praise God? Dieu nous aime tellement. God loves us so much. Dieu nous aime tellement. God loves us so much. On va écouter quand tu vas voir le médecin. When you go see a doctor. Moi aussi, Seigneur, utilise-moi un peu doux. Parce que quand le médecin parle. Because when the doctor speaks. Il donne les oreilles aux patients. You give the ear to the patient. Les patients vont comprendre. The patient understands. Ceux qui n'ont pas compris. They didn't understand. Vous répétez un peu. You're going to repeat it again. Donne-moi cette onction-là. Give me that anointing. Je veux que les âmes écoutent ce que je parle. I want the souls listening to what I say. Je ne veux pas crier. I don't want to scream. Parce que les médecins n'écrivent pas. Because doctors don't scream. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans la diagnostic. Today I'm diagnosing. Comme un médecin. Like a doctor. Comme un dermatologue. A dermatologist. C'est la consultation aujourd'hui. This is a consultation today. Comme nous sommes dans la consultation. As we were consulting. Je veux prendre l'attitude. I'll take the attitude. D'un médecin. Of a doctor. Pour consulter les patients. To consult the patient. Pour qu'ils vont comprendre. So would understand qu'est-ce que Dieu veut dire? What God wants to say. Pour qu'il reçoive la prescription. For him to receive the prescription. Et vous qui sommes ici. And you that are here. C'est vraiment une guérison pour vous. It is a true healing for you. C'est une guérison. It is a healing for you. Une guérison pour moi. A healing for me. Nous entrons nous tous comme église. We all enter as a church. Dans ce domaine. In this realm. On va travailler ensemble. We will work together. L'hôpital est formé avec les médecins, patients et infirmiers. Acclamez. The hospital is made up of doctors, patients and nurses. Alléluia. Praise God. Hallelujah. L'église est formée. The church is made up of les sacrificateurs, the priests, avec les disciples, with the disciples, avec les âmes, and the souls. Praise God. Yes. Praise God. C'est vraiment un hôpital. This is a real hospital. Et les médecins travaillent ensemble. And the doctors work together. Quand les médecins parlent, when the doctor speaks, les infirmières écoutent. The nurses listen. Les patients, tu vas écouter. Patient, you're going to listen. Personne va faire la révolte. Nobody's going to be rebellious. Si le docteur dit je ferme. If the doctor says I close. Appelez-moi. Les gars, sortez ce patient dehors. Call me the guards. Get that patient out. Hors de l'hôpital. They're going to kick you out of the hospital. Alléluia. Alléluia. Mais nous avec Dieu. But we with God. Il est tellement amour. He's so loving. Il nous donne toujours la grâce. He gives us a grace. Il nous donne toujours le temps. He gives us time. De recevoir la diagnostic. To receive the diagnosis. C'est comme ça que les hommes de Dieu. That is how the men of God. Il faut qu'ils soient un cœur grand. They have to have a big heart. Parce que dans l'église de Dieu. Because in the church of God. Ce n'est pas la même chose qui fonctionne dans l'hôpital de la chair. It's not the same thing as the hospital of the flesh. Parce que les diagnostics de l'église. The diagnosis of the church. Il y a ceux qui viennent avec des démons qui vont être tourmentés. People come with demons that are tormenting. Les démons peuvent porter la révolte dedans de la personne. Their demons can have rebellion in mais la personne ne sait pas que c'est les démons qui m'utilisent de faire ça. The person doesn't know it's the demons using them to do this. Il y a d'autres personnes on les acheter des sorts. Other people have curses. Leur plaie ne vient pas de même. Their sword doesn't come mais from themselves. Mais c'est une sorte qu'on l'a jeté. But it's a curse at somebody ça else. Ça va manifester devant les sacrificateurs. It will manifest in front of the priest. C'est les sacrificateurs qui reçoivent beaucoup de la peine. The priest receives a lot of. C'est les sacrificateurs qui reçoivent beaucoup des injures. They receive a lot of insults. C'est les sacrificateurs qui ont beaucoup critiqué. The priest is very. Oh, praise God! Hallelujah! C'est les sacrificateurs
sont beaucoup critiqués. The high priests are so criticized. Parce que quand il va t'expliquer ton problème dans la vérité, when they explain the problem to you in the truth, la révolte, they're supposed to get up for rebellion. Ils sont contre les sacrificateurs. They go against the high priests. Mais si les médecins de la chair, but if the doctor of the flesh, il te diagnostique même des faux maladies, gives you a false sickness, que tu as le cancer de la chair mais tu n'as pas, he says you have a cancer but you don't have it, en fait une opération, they operate you. Après il dit qu'il n'y avait pas de maladie. And then they say there was no sickness. Les gens sont comme, oh, people are like, oh, okay. Oh, c'est les médecins. Oh, it's a doctor. Faut le comprendre. You have to understand them. C'est comme ça. That's how it is. C'est les médecins. It's a doctor. Il va aller voir le même médecin. And tomorrow you're going to go back to the same doctor. Alléluia, les bien-aimés de la Alléluia, Alléluia, beloved in the Lord. Mais notre médecin. But our doctor. Qui est notre Dieu. Nous entrons là. On arrive là. Our God, we're entering. Donne-moi quelques minutes, on arrive Give là. Give me a few minutes, we're going to get there. Oh, je vais aller à cause du temps, mais je veux que tu reçois quelque chose parce qu'aujourd'hui, c'est les consultations. I want you to receive something because today is a consultation. Aujourd'hui, l'église, c'est un hôpital aujourd'hui pour toi. The church is really a hospital Mets for you today. Mets les oreilles bien, tu vas prendre la diagnostic. Bring your ears and you're going to get the diagnostic. Écoute, Saint-Esprit, il va te dire ton problème, il y a un plaie que tu as. The Holy Spirit will show you what sore that you have. Et quand ça déclenche, and when it's there, peut-être qu'il y a moment ça fait déclencher dans les 7e journée. Maybe on the 7th day it's going to trigger. Tu es pâle. Maybe you're pale. Peut-être que ça peut se répandre. Maybe it can spread. Ton cœur avec des taches un peu noires. Your heart had some black sores. Ton cœur devient comme toute noircie foncée. After a few days your whole heart becomes black because you're so angry. Mais Dieu nous aime tellement. But God loves us so much. Il veut qu'on sorte de là. He wants us to come out of there. Il veut qu'on soit humble. We have to be humble. Pour qu'on reçoive la prescription. To receive the prescription. Pour qu'on soit guéri. For us to be healed. Nous entrons à 7e, excusez-moi, on va aller vite, vite. Verse 7 now, quickly. Mais si la date s'est tendue sur la peau, il dit à 7e, 6e, les sacrificateurs déclarent cet homme pire. C'est une date. Il lavera ses vêtements, il sera pur. C'est les sacrificateurs qui vont diagnostiquer si l'homme, si l'âme de Dieu devient pure ou pas. The high priest will diagnose if the man is clean. Comment or not. Ils vont démontrer? How will they demonstrate this? Avec ce que Dieu les a mandaté. With what God called them to do. La lumière de Dieu qui est à travers eux. The light of God through La God. Façon que les berbis sont à l'église. The way the sheep are in the church. Un sacrificateur. The priest. Qui est un berger. That is the shepherd. Va connaître que c'est berbis. Will know his sheep. Amen. 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 Parce que Jésus-Christ était grand berger. Jesus Christ is the great shepherd. Il connaissait ses berbis. He knew his sheep. La manière que les berbis même qu'on dit, viens, entrez dans la... Ah, il veut pas. Oh, non, non, non. The way you say, come unto the sheep, to bring him into the fold. And there are those sheep who say, no, no. They are rebellious and they go far away. They come to church. Mais à l'intérieur, ils attendent indépendant, vie indépendant. But inside, they're independent. Mais dans l'église de Dieu, but in the church of God, tu peux pas avoir cet esprit d'être indépendant. You can't have that spirit of independence. Bien aimé, si tu es là, beloved, if you're here, c'est ta diagnostic. It's your diagnosis. Plaire à Dieu. Weep to God. Tu as été déjà égaré. You are already taken away from the church of God. Dieu veut te retourner. God wants to bring you back. He wants to bless you. He wants to bring you where you want to go. Don't think the way you're independent. The way you're going to be blessed. That's why your doors were all closed. But he speaks to you today. De ne plus être indépendant. To not be independent anymore. Être égaré. To be far away. Viens entrer dans la bergerie. Come and Amen. Enter the fold. Amen. Obéir le berger. Obey the shepherd. Dieu veut t'élever. God wants to elevate you. Il nous dit. He tells us. Mais si la date s'est entendue sur la peau après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il sera examiné une seconde fois par les sacrificateurs. Dieu a donné l'ordre à l'église, les enfants de Dieu, si tu as un problème, parle pas à un membre de l'église avant que tu vas les sacrificateurs. God called the church for this purpose. If you have même a problem, si tu as un problème, if you have a problem, tu as une révélation qui est prescription de toi-même. You have a revelation which is your own prescription. Avec, before you walk with it, prie le Seigneur. Pray to the God. Que quand tu vas venir voir les sacrificateurs, when you come to talk to the priest, que Dieu te confirme ce que toi tu as fait de marcher. God would confirm that what you received. Alléluia. Alléluia. Ça sent dans tous les domaines de ta vie. In every realm of your life. Même tu veux t'engager. Even if you want to get engaged. Ne va pas vite aller chercher la femme ou un homme. Don't go quick to get a man or a va wife. Va voir d'abord les sacrificateurs. Go see the priest first. Ils vont diagnostiquer. They will diagnose. Ils vont te consulter. They will consult with ils you. Ils vont te dire si c'est ça, ils vont examiner. They will examine this si with you. Si c'est le temps d'aller ou pas. If it's
your time to go or not. Beaucoup des enfants de Dieu n'attendent pas qu'ils soient examinés, ils sont pressés d'aller. Many children of God don't wait and they're in a hurry to go. Quand ils sont pressés d'aller, when they're in a hurry to go, quand ça va devenir mauvais, when it gets bad, ça va tomber sur la tête des sacrificateurs. It falls on the priest's head anyway. Say amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas tellement vite d'aller chercher un fiancé ou l'homme ou accepter une fille d'accepter une fiancée dehors. When you accept someone in marriage too quickly, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'amener bien aimé dans le Seigneur. You don't know what they can bring you, beloved. Mais si tu veux voir les sacrificateurs, but if you come to the priest, même dans notre couple, even in our couple, avant de prendre un 911 d'appeler ton mari ou ta femme la police, before I call 911 to call the cops, d'abord appeler les sacrificateurs, call the priest first, d'examiner ton problème, to examine your problem. Quand ton problème sera examiné, and when your problem is examined, l'homme de Dieu qui est le sacrificateur donnera la permission d'aller. The man of God will give you the permission to go. Parce que tu peux appeler 911 avant. You can call 911 before. Tu appelles la police vient chez toi. And the police comes to your la house. La police bloque ton mari toute ta vie. And your police blocks your husband for his whole life. C'était le mari de toute ta vie. But it was the husband of your life. Praise God. Ou la femme appelle la police pour son mari. The wife calls the police for her husband. Comme je dis, les médecins de la chair. Like I said, the doctor of the flesh. Et ils savent pas qu'est-ce qui passe dans la vie des patients. They don't know what happens in the life of the patient. Les policiers ne savent pas qu'est-ce que la, pourquoi la femme ou l'homme a fait ça. The police don't know why the men did this. Et ils vont prendre la loi, ils vont t'arrêter seulement. They're just going to stop you because of the law. Mais si tu peux aller voir les sacrificateurs, but if you go to see the priest, il peut aller examiner. They're going to examine avec Dieu. With God. Pourquoi ça venait chez vous? Why did that come to your pourquoi house? Pourquoi cette trouble? Why that trouble? Pourquoi tu te maries pas? Why can't you get married? Pourquoi tu as un problème de l'état de fiancé? Why do you have a problem with your engagement? Pourquoi tu n'as pas un problème que tes enfants sortent chez toi? Why do you have a problem that your children leave the house? Peut-être que tu n'amènes pas ton problème vrai au Seigneur. Maybe you don't bring your true problem to the les Lord. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui the men of God today get reserved. Il y a aussi des hommes qui sont qui disent des mensonges. Too many souls that are lying. Ils viennent devant toi. They come in front of you. Ils te parlent. They speak to you. Mais comme les hommes de Dieu ne veulent plus de problèmes. But the men of God don't want a problem. Mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse. They say, God bless you. Go ahead, go ahead. Ils n'ont pas problème d'entrer pour que tu les fasses des problèmes. They don't want to enter because you parce make problems with them. Parce qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont eu des problèmes de conseiller. Men of God have problems and they give you advice. Parce que la personne a tellement de sentiments d'aimer les fiancés. Because the person has so many sentiments. Quand il touche pas ces fiancés là. And he says, don't touch that fiancé. C'est pasteur. He's a joker. Oh, pasteur là même, vraiment il m'aime. Oh, the pastor. The pastor just wants to date me. That's why. Oh no. Oh, pourquoi? Why? Pourquoi il veut pas que moi why je doesn't want me to go out with that man? Oh, pasteur est vraiment jaloux. The pastor is jealous. Oh, that's why. That pastor is oh, jealous. Mari, I love that husband there. Les enfants de Dieu. Children of God. Tu veux voir maman pasteur? You want to see mother pastor? No, 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 no. No, no, no. Non, ma sœur. No, my sister. Faut pas aller comme ça. Don't go like that. Ça, je trouve qu'il y a un danger. I find that's dangerous. Ma pasteur aussi exagère. Ah, mother pastor exagerates. Elle est jaloux. Mother pastor exagerates. Elle ne sait pas que son mari a peut-être aidé. She's jealous. She just wants her husband to see the wife. Moi aussi, je vais honorer comme ça. She doesn't want me to be honored like his wife. Allez, ma pasteur d'aujourd'hui. Mother pastor today, tell you. Eh, bien aimé dans le Seigneur. Love it in the Lord. Attention, dis attention. Be careful. Say, be careful. C'est pour ton bien. It's for your own good. C'est pour ton bien. It's for your own good. C'est pour ton bien. It's for your own good. Pour que ta vie avance. For your life to go forward. Si tu es diagnostiqué, je dis bien pas tous les sacrificateurs. I say very well, not all the priests. Moi aussi, il faut que tu connaisses ton sacrificateur est vrai ou faux. You have to know if your priest is a true one or a false one. Praise God. Tu as besoin de les connaître. Il est faux. There are false ones. Non, si tu vas te réserver, dis je vais me réserver. You too have to be a bit reserved. Say you're going to be reserved. Il faut que tu trouves aussi ton sacrificateur comment il vient. You have to see how your priest examines you. Ses intentions et comment? What is his intention? Toi aussi, tu vas te réserver. You too have to be reserved. Tu vas prier au Seigneur. You're going to pray to God. Parce que la parole de Dieu dit. Because the word of God says. La parole de Dieu c'est la vérité. The word of God is the truth. Nous voulons voir la vérité. We want to see les the truth. Les hommes de Dieu qui ne fait pas l'hypocrisie. Men of God that aren't hypocrites. Qui nous risent pas à cause parce que tu donnes tes dîmes. That don't seduce you because parce of que tout the temps quand tu viens devant l'homme de Dieu. Because when you come in front of my tu vas commencer à donner mes dîmes maintenant, pasteur. Oh, pastor, I'm going to start giving my tithe now. I'm going to start giving my tithe. It's going to be repetitious. You think you're buying the heart of the man of God. Sacrificateur qui connaît Dieu. A priest that knows God. Tu peux pas l'acheter à cause des dîmes. You can't buy him with a tithe. D'abord, les dîmes, ce n'est pas de toi, ça vient de Dieu. Dis, ça vient de Dieu. The tithe doesn't come from you, it comes from c'est God. La parole de Dieu. It's the word of God. C'est la prescription de Dieu. It's the prescription of mais God. Mais quoi à faire avec le serviteur de Dieu? What's it got to do with the man of God? Pourquoi tu le flattes? Why do you have to flatter him? C'est la loi qui est la parole de Dieu. Because the law is the quand word of God. Quand toi tu vas l'obéir, when you obey him, prescription, to the prescription, c'est toi qui seras béni. You are going to be blessed. Qu'est-ce que tu as un problème? What is your problem? Pourquoi tu veux pas
qui est la parole de Dieu. That is the word of God. Qui est l'ordonnance de Dieu. That is the prescription Dieu of God. C'est Dieu qui l'a déjà examiné comme le premier sacrificateur. God himself examined you like the first high priest. Il dit que tu vas donner un dixième. He says you're going to give a tenth. Aujourd'hui tu cherches la promotion. Today you want a promotion. Tu cherches qu'est-ce que toi tu as, les projets que toi tu as. You look for your project. Tu tournes la rond. You go around mais in circles. Mais toi tu travailles non. But you qui te donne la force? Who gives you the strength? Qui te donne la force? Who gives you strength? Qui te donne la force? Who gives you strength? Qui te donne la force? Who gives you the strength? Toi c'est Dieu. It is God. Tu cherches à toucher la richesse, nous sommes le bonheur sur les pieds. You want to touch wealth because joy has feet. Diagnostic est sorti. The diagnosis came out. Le bonheur a des pieds. Joy has feet. Est-ce que ça t'a suivi, toi qui obéis à la loi? Did it follow you? Do you obey the law, God? Est-ce que ça commence à suivre ta vie? It starts by following your life. Est-ce que toi tu examines vraiment ta vie? Do you really examine your life? Et tu sais qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Do you know what you do in the house of God? Tu cherches le travail, tu trouves pas. You're looking for a job, you don't get it. Mais c'est simple que toi tu obéis à ce que Dieu dit. It's just simple for you to obey what God says. Pourquoi tu n'obéis pas? C'est très simple pour toi. It's so simple. Why don't you obey? Est-ce que c'est compliqué? Is it hard? I want everybody to open their mouth. I want all the people to open. Is it complicated? Non. Maman Claudette, est-ce que c'est compliqué? Maman Claudette, is it complicated? C'est facile, non? It is easy, no? C'est facile, non? It's easy, no? Les femmes de Dieu, parce que c'est facile, non? It is easy, no? C'est facile. It's easy. Est-ce que l'évangile est compliqué? Is the gospel difficult? Qui le rend compliqué? Who makes it complicated? Amen. Amen. Là, tu dis, je vais progresser toute ma vie. I studied, but I can't get a job. Est-ce que le petit travail que Dieu t'a donné, est-ce que tu respectes le Dieu? The little job that God gave you, do you respect time? Pour que toi tu vas être honoré comme dans les cadres que Dieu veut t'amener. For you to be honored in the level that God wants to bring you. Respectez la diagnostic, les enfants de Dieu. The children of God. On va déjà être à la fin. We're already at the end here. Excuse me. Alléluia. Alléluia. Et il nous dit, on va aller là. Oh Seigneur, c'est tellement beaucoup. Lorsqu'on rend un homme sur un plaid de lèvres. Neuf, il amènera au sacrificateur. Le sacrificateur examinera si la peau, il y a une tumeur blanche. Si c'est cette tumeur fait blanchir la peau et qu'il y a une trace de chair vivant dans la tumeur. 11, on peut aller là pour. Il n'y a pas de temps. Il dit 11, c'est un lèpre inventaire dans la peau du corps de cet homme. Ce lèpre-là inventaire, c'est comme un lèpre et piquant. C'est comme une chose. Chronic leprosy. C'est comme un piquant dans le corps de la personne. It stings the body of the person. Les sacrificateurs ont diagnostiqué cette lèpre inventaire là. The priest diagnosed that it's a chronic leprosy. C'est comme une lèpre qui est sur la peau de personne. Leprosy on the skin of the person. Mais qui est piquant. But it stings comme you. Comme irrité. It irritates you. Combien des enfants de Dieu quand ils se présentent devant les sacrificateurs ils ont des paroles piquantes. Dis les paroles piquantes. How many children of God when they see the priest they have words that sting. Comment ils adressent à leurs amis? Comment les paroles sont piquantes? How do they talk to their friends? How the words sting. Seulement pour amener le blessure dans le cœur des autres. Your words are only to bring hurt to the others. You come to the church of God. Tu viens seulement parler des lèpres qui t'amènent des paroles orgueilleuses. You just talk with a proud mouth. Lèpres qui t'amènent la façon d'exprimer pour choquer même les sacrificateurs. A leprosy, the way you talk to make the person mad. C'est lèpre. That leprosy. Éventaire. It's a crime. Dans la peau du corps de cet homme. In the skin of that et man. Et les sacrificateurs les déclara. Impire. And the priest will say, il la fermera pas, car il est impire. He will say he's unclean and he has to go back to be locked up. Bien aimé dans le Seigneur, même la façon de parler à ton fiancé, même la façon que tu cherches quelqu'un, tu n'as pas d'avoir cette lèpre inventaire. When you talk to your fiancé, you can't have that chronic leprosy. Ta façon de dialoguer avec tes parents. The way you talk to your parents. Tu ne vas pas avoir de paroles piquantes. You won't have words that sting. Des paroles irritantes. Words that irritate. Qui amènent le plaid dans le cœur. That bring wound in the heart. Qui est blessé intérieur. That it's inner wound. La parole de Dieu dit, on te déclare impire. Impire au nom de Jésus-Christ. The word of God says, you're unclean in the name of Jesus. Yes. On a besoin we need de savoir parler. To know how to speak. Quand ce lèpre est diagnostiqué, when the leprosy is diagnosed by the dermatologist de la peau, of the skin, ce n'est pas sur la peau. It is not on the skin. On diagnostique maladie sur la peau, when you diagnose a disease, on fait l'examen
dans le sang. You have to examine the blood. C'est ton sang qui montre que les paroles piquantes. The blood will show up. Vient dans ton sang. Where the bad words come vient from your dans blood. La source. Where is the source? Si tu as grandi dans une famille. If you grew up in a family. Où les gens sont des dictateurs ou les fous ou les fous. Where people are crazy and dictators. Où les gens sont des alcooliques. Where people are alcoholics. Un enfant qui grandit dans un environnement. A child that grows up in an environment. Où les parents sont des drogués. Where the parents are drugged. Où les parents sont dans les dépressions. Where the parents are depressed. Les parents sont dans les stress. Parents are in stress. Cet enfant va grandir avec les lèpres éventaires sur sa peau. That child will grow up parce with a chronic leprosy. It comes in the blood of the parents. Alléluia. Yes. Ça vient dans la maison là où tu grandis. It comes in the house where you grew up. Il y a des hommes qui sont faibles. Men are weak. Devant la femme. In front of the women. Ils ne peuvent pas prendre le pouvoir. They can't take the power. Et l'homme a dit que l'homme est responsable. But God says the man is responsible. Il se laisse abattre avec des paroles de lèpres éventaires. They let him crush by the chronic words. Des paroles piquantes. Stinging words. Des paroles irritantes. Irritating words. Qui viennent toujours t'irriter. That come to irritate you. De te mettre toujours en position de la faiblesse. To crush you into weakness always. Mais les sacrificateurs te diagnostiquent. But the priest gives you a diagnosis. Et si tu restes comme ça, tu es impur. If you stay like that, you're unclean. Parce que tu n'utilises pas ta responsabilité comme un homme que Dieu a créé. You don't use the responsibility that God created. Parce que la parole de Dieu a dit, j'ai créé l'homme à l'image de Dieu. Because man is created in the image of God. Il t'a donné le pouvoir et la domination. Domination. De régler ta maison et de les mettre en ordre. To fix your house and put it in la order. La femme qui n'obéit pas son mari. The woman that doesn't obey her husband. Tu vas être dans les lèpres éventaires. You're going to be a chronic leper. Parce que la Bible dit la femme soumise à son mari. Because the Bible says the wife has to be submitted to the husband. Soumise, if you're not submitted, tu es dans les lèpres. You're a leper. Les enfants qui n'obéissent pas. The children that disobey. Dans leur maison, leurs parents. In their home, their parents. Ils sont avec les lèpres éventaires. They have a chronic leprosy. Ils vont te diagnostiquer. They'll diagnose you. Sous ta peau. On your skin. Jesus as Lord and Savior. God will declare you clean. Don't stop working, beloved. On va prendre la parole vite. On va aller 1 Jean. We're going to go to 1 John. On reste pas longtemps. On va juste lire. On a plus de temps. We don't have much time. Excusez-moi. Forgive me. Vraiment, c'est ça que je disais qu'aujourd'hui c'est un hôpital. Today it's a hospital. Alléluia, femme de Dieu, bougez, tu peux aller vite, tu peux Alléluia. Aller là-bas. John 1, mais juste pour verse la compréhension, pour qu'on complète quelque chose, pour que ça complète notre cerveau. Amen. Hein? Amen. On ne peut pas aller moitié parce que ça va risquer de nous tourmenter. Mm. Là où se trouvait un homme malade depuis 38 ans, Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, j'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Et... Non, ils ont, les techniciens fait c'est un Jean. 1 John 5 to 10. Avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point de lui de ténèbres. Amen. Amen. On nous a dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui, the news we heard et from que him, nous avons annoncé, c'est que Dieu est lumière. God is light. Il n'y a point à lui de ténèbres. There is no darkness in him. Dieu est venu pour nous éclairer. God came to enlighten us. Pour nous faire sortir dans tout ce qui ne glorifie pas son nom. To make us come out of everything ténèbres that doesn't glorify. Ténèbres qui est des mauvaises vies. Darkness which is a bad life. Des ancêtres. Of the ancestors. Toutes les lèpres qui est péché. All the leprosies of sin. Toutes les dards qui est diagnostic d'impurité. All the sores that are impure. Mais Jésus-Christ est venu pour nous éclairer. Jesus came to enlighten us. C'est ça que les sacrificateurs ont besoin de cette loupe qui est éclairage. So we need that. Pour diagnostiquer. To diagnose. La vie des âmes dans the life of the souls of the church. We need that microscope. Il dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mettons et nous pratiquons pas la vérité. Souvent, nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Often we don't have fellowship with God. Notre vie, our life, nous marchons dans les ténèbres. We walk in darkness.
nous pratiquons pas la vérité. We don't practice the truth. Qui est l'ordonnance de Dieu. That is the prescription souvent of God. Souvent nous restons beaucoup parler dans la bouche. Often we speak a lot in our mouths. Mais nous ne les pratiquons pas. We don't even practice it. L'homme oublie toujours. Man always forgets. L'homme a moins de reconnaissance. Man doesn't have thankfulness. Même ceux qui ont vu la lumière de Dieu. Even those who saw the light of ils God. Ils sont toujours là de retourner dans les ténèbres. They always go back in darkness. De ne pas être reconnaissant à ce que Dieu a fait dans ta vie. They're not grateful for what God did in your life. Un jour Dieu t'a diagnostiqué. To come to church. Tu as manqué quelque chose. You missed something. God gave you a diagnosis. Tu vas la voir. Mais le jour que toi tu touches, but the day you turn, tu renies ce Dieu-là. You deny that God. Beloved in the Lord. Ça, c'est l'avertissement que Dieu that dit. Is a warning God gives you. How many children of God? They come to church. Les hommes de Dieu vont prier. The men of God will ils vont pray. Voir la lumière dans leur vie. They're have light ils vont in their voir life. Que leur vie fleurisse. They're going to be flourishing. Ils vont trouver qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Après la vie de l'église, and then the life of the church, ils ont tourné dans le monde. They go back to the world. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Les sacrificateurs ont eu le temps. The priest took the time. Nuit et jour. Night and day. De diagnostiquer. To give you a diagnosis. Ce n'est pas ta famille. It is not your family. Ce n'est pas tes amis. It is not your friends. Mais c'est les sacrificateurs. But it's the priest. Ils ont diagnostiqué. Who gave you a diagnosis? Ils ont examiné ton problème. To examine your problem. Pour que toi tu sors dans les liens de la tradition. So that you would leave the links pour que of tradition. Tu sors dans les liens de tout ce que l'ennemi t'avait bloqué. Come out of the chains of all the enemy blocking et your quand life. Dieu t'a béni. And when God blesses you. Tu oublies ce Dieu. You forget that God. Le premier merci. The first thanks. Tu donnes aux gens des ténèbres. You give to the people of darkness. You go see your friends. You're going to go drinking. You're going to see your friends. Tu vas inviter les amis que tu as grandi you're going to invite the friends you grew up with. Les gens qui t'ont rejeté. People who rejected you. Quand tu avais manqué les maris. Because you didn't have a quand husband. Quand tu avais manqué la femme. And now that you quand didn't tu avais manqué les enfants. When you didn't have quand children. Quand tu avais manqué l'argent. When you didn't have quand money. Quand tu étais malade. When you were sick. Les gens qui te méprisaient. People who disturbed les gens you. Qui se moquaient de toi. People making fun of you. C'est là que tu vas les fêter avec. You're going to go party with mais them. Les hommes de Dieu. But the people les of God. Hommes de Dieu. The souls of God. Qui ont prié nuit jour. That prayed night and day for you. L'église de Dieu. The church of God. Qui a prié pour toi. That prayed for you. Ça devient. It becomes. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Dieu veut venir bientôt. God is coming soon. Dieu veut venir bientôt. God is coming soon. Combien de tristesse que toi tu as donné dans le cœur de Dieu. How much sadness did you give God? Combien de fois tu as fait pleurer Dieu. How many times did God weep because of you? Les gens vont te convaincre. And you have to be convinced. Que cette diagnostic ne vient pas de Dieu. That diagnosis doesn't come from God. Et toi si tu le crois. And if you believe it. Et tu oublies les prières que les hommes de Dieu ont fait. You forget the prayer that they did. Mais que toi tu as passé. And the third that ils you went through. Ils ont pas dormi nuit et jour pour toi. You didn't sleep night and day for you. Et tu as vu la main de Dieu dans ta vie. You saw the man of God in your life. Et tu deviens ingrate. And you're ungrateful. Oh. Like the man of God just said, on vous suit. We follow you. Est-ce que Dieu là n'agit pas dans vos vies? Is God not acting in our life? Faut qu'on vous poursuive. Why do we have to chase you? Amen. Amen. Pourquoi il faut qu'on vous poursuive? Why do we have to chase you? Vous pensez que vos études, même les étudiants. You think your students, even the students. J'ai connu les étudiants, des gens qui ont étudié avec des diplômes de doctorat. I saw people that have doctorates. Ils sont rien. And they have nothing. Je les vois dans la route comme des clochards. You see them on the road like a bum. Sans Dieu. Without God. Sans Dieu les without étudiants. God students. Ne se vante pas. Don't brag. Il y a besoin de la diagnostic. You need a diagnosis. Il y a besoin de t'examiner. You need to be examined. Pour que ta vie avance. For your life to go forward. J'ai vu des gens qui ont eu des diplômes. I saw people with diplomas. Ce message était une gracieuseté de l'Église Christ en Action de Moncton, située au 77 promenade Hildegard, au croisement du chemin Mountain et de la promenade Hildegard. Pour nous contacter, veuillez composer le 506-801-9069. Que le Seigneur vous bénisse.